Bonjour à tous, je vous présente mon application, mon petit GBF. Voilà, hein, je me le suis fait parce que en même temps ça peut me servir pour moi, pour d'autres personnes qui n'ont, pour des autoradios qui n'ont pas de lecteur CD, parce que ça maintenant ça se fait beaucoup. Pas de prise USB, je sais pas, ça peut arriver aussi. Lecteur CDHS et pas de port USB, donc ça peut servir aussi en dépannage. Voilà donc. Les fréquences sont rouges, sont des fréquences très dangereuses à utiliser après, avec précaution, une extrême précaution, je dirais même. Voilà, hein. Et à volume modéré, regardez bien la description dans le Play Store, c'est expliqué. Voilà, donc voici différentes touches. Je fais un essai devant vous avec une petite enceinte qui génère des fréquences assez basses, hein. On peut dire que même 20 Hz. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi ici je l'entends. Voilà. Donc nous avons toutes les fréquences possibles. Elles sont disponibles de 1 Hz à 100 Hz. Attention en rouge. Voilà. Nous avons les glissantes ici et ici. Et en sens inverse. Moi, ma préférence, ça sera toujours dans ce sens-là, hein, les fréquences de 80 à 40 Hz. Il y a une plus faible consommation au démarrage. Enfin, tout dépend de la config de son véhicule. Si on résonne plutôt bas, on utilisera cette glissante dans ce sens-là, la partie de droite. Si on résonne haut, on commencera par la partie du haut. Voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé sa fréquence, si par exemple vous passez à la capsule et qu'on vous dit la fréquence de votre véhicule est par exemple 58 Hz, ce qui est mon cas. Voilà, j'aurai juste à repasser une deuxième fois. Donc j'appuie sur ma touche au moment du chrono, 58 Hz. Et une fois que j'ai ma mesure, j'ai plus qu'à relâcher. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc en plus, j'ai rajouté un bruit blanc et un bruit marron. Ça, c'est un petit plus. Voilà. Donc pour partager l'application, j'ai mis un petit QR code là que l'on retrouve ici. Donc c'est très facile sur un meeting, hein, vous flashez le code, vous avez plus qu'à aller le télécharger. Et un petit chat, voilà. Donc il suffit de rentrer un pseudo, d'écrire son message ou alors carrément une petite inscription, c'est très rapide, hein, ça se fait tout seul. Et de laisser vos messages, c'est-à-dire que entre les meetings, vous pouvez vous envoyer des messages entre concurrents, et ce qui vous permet d'avoir, par exemple, de partager vos scores à la sortie de la capsule, et comme on dit, vous lancer des défis. Voilà. Et un petit aperçu du nombre total d'utilisateurs. Voilà, mon application est disponible gratuitement sur le Play Store. Faites-vous plaisir. Voilà, SPL72 vous dit à bientôt. Au revoir.